Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait, et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais, et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'Ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal.
Reste avec nous. Ils reviennent. Écoutez-moi. Le héros. On voit la lumière. Bouge de là. Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai prévu. D'accord, d'accord. Il... Ouvre. En avant. On va où là ? À gauche, on traverse la place. Dis Damir, tu crois que le colonel sait ce qu'Artyom fabrique ? Comment tu veux que je le sache ? Demande-lui toi-même, il a appelé depuis le cercle, il a dit qu'il arrivait demain. Hé, hey, vous, laissez-le tranquille. Je l'ai tué moi-même avec mon lance-pierre. Bah laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon comment il pourrait survivre dans le métro ? Un bout de temps ! Tiens le coup, Artyom. Une dose de sang spartiate tout frais arrive. Tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois. Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel! Salut, Alex. Te voilà, crétin entêté! Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile! Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie! L'ordre est à court d'hommes après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas! Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi! Il faut arrêter les conneries maintenant! Le métro, c'est tout ce qu'il y a, rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui ? Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît, tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais... les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Tout de même, heureusement que les Spartiates sont noués. Ils ont ramené Artyom juste à temps. Comme tu dis, j'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu des gens en bonne santé et en forme ici. Moi non plus. Dommage qu'ils passent tellement de temps à la surface. Malheureusement, c'est leur travail. Travail ou pas, s'ils continuent comme ça. Artyom, essaie de faire un peu plus attention, d'accord? Même si tu trouves d'autres gens dehors, ils ont sans doute des problèmes de leur côté. Alors à quoi ça servirait de les contacter? Et après tout... Artyom, je comprends ce que tu ressens, mais tu ne vas pas toujours pouvoir sauver le métro à toi tout seul. Pourquoi tu t'acharnes à chercher une solution sans aide? Tes amis de l'Ordre sont encore venus à ton secours. Le colonel a l'air de vouloir te réintégrer. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps ici, ou à chercher des fantômes là dehors? Si Sparte voulait de moi, je m'engagerais dans la seconde. Enfin, en tout cas, bonne chance, Artyom. Travaille ou pas, s'il continue comme ça. Que tu rentres à police.
Je ne suis plus dans l'ordre. Je prends mes décisions tout seul. C'est pour Artyom. Oh, j'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien? Bouge de là, tu. Sacrée trouille. Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as l'air en forme, à ce que je vois. Excusez-moi, messieurs, faites place. Hé, Artyom. Encore une ou deux cicatrices et plus aucune femme ne te résistera. Toujours aussi obsédé. Laissez-le respirer. Bon tour parmi nous. Salut, Artyom. Ok, c'est bon. Je vous accorde une pause. Vous avez 2 heures. Ouais. C'est un fichier. J'en étais sûr. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Tiens bon, Artyom. Toujours rien? Artyom, tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Gégère. Ah oui, et il y a aussi ces maudites saletés qui croissent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. On a un peu traîné, il est temps de changer de filtre. Allez, change de filtre. T'as passé à... Mon père va me tuer s'il découvre que je suis monté avec toi. Et plutôt 2 fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Tu as visité toutes ces ruines? L'étendue des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense anti-aérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. Il n'y a que des monstres qui ont pu survivre à la surface. Peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui? Un appart. Avec une cuisine. Et une douche. Ça change pas les choses. C'est pas assez stable. Attention. Au moins ça a tenu. Oh, je crois qu'on est tiré d'affaire. Ouh, t'as entendu? Ils ont dû nous entendre descendre du toit et décider de nous tendre une embuscade. Ils sont de plus en plus malins. Sortons vite de là, maintenant que tout le quartier nous a repérés. Je ne vois vraiment pas pourquoi ce secteur est interdit aux stalkers.
Les radiations et les monstres n'ont rien d'extraordinaire. Stop! C'est pas moi qui délire, hein ? Vous auriez dû vérifier avant, connard ! Artyom, tu n'as rien. Ces gens, ils sont de Hansa, pas de l'Ordre. Ces fumiers. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Il se passe quoi dans votre tas de ruines ? C'est ça, Moscou ? C'est ça, Moscou ? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village ? Vous n'êtes pas de Moscou ? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an et n'est jamais revenu. Mais ceux-là nous ont capturés. Alors, il y a de la vie dehors ? Pourquoi il n'y en aurait pas ? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah, ça alors ? Il faut qu'on prévienne tout le métro. Ils n'ont pas besoin de masque.
braqué sur l'ouverture. Si quelque chose en sort, tire. C'est quoi ce bruit? Il faudrait envoyer un groupe sceller la sortie. Et... Attention, la plaque tournante se met en marche. Jamais ces conneries, ok? Des animaux. Comment ils peuvent? Qu'est-ce que je peux faire? Un mutant, un hurleur! Un humain? Mais comment? C'est ton nom qu'elle crie. Vivant. Tu es venu pour elle. Très bien, très bien. Je vais t'aider. Enfin, je vais pouvoir me rendre utile. Ok, ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger. Je ne peux pas te conduire à l'entrée principale, il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. En route. Mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage pour l'éteindre, moi je fais diversion. Discret. Tu vois cette échelle? Essaie de l'atteindre discrètement. Reste près du mur. Yermak, c'est toi? Qu'est-ce que tu marmottes? Viens là et aide-moi à réparer le truc. À vos ordres, j'arrive tout de suite. Allez, allez, tu devrais pouvoir réparer ça les doigts dans le nez. Tu ne peux pas me suivre. Prends plutôt cette échelle. Yermak, qu'est-ce qui te prend si longtemps? Attends, tu vas devoir t'occuper de lui. Tu peux le faire en silence. En fait, il est arrivé quoi aux autres qui sont envoyés pour préparer? Ça te regarde pas, je pars tout seul. J'ai un problème de mémoire. Toujours pour poser. Ah, Yermak, ça commence à sentir le sapin, hein? Ouais, la vieille.